Salut à tous, donc j'ai toujours pas trouvé le champi piment que je devais prendre en photo derrière le bâtiment piment, donc ce que je vais faire c'est que je vais directement hop en poser un et le prendre en photo. Voilà. Et voilà. Bon, ça fera la blague, il sera content. Et ça nous permettra d'avancer dans cette quête de malheur. Donc là, ce qu'on va essayer de voir, c'est un peu la suite des améliorations qu'on peut avoir. Oui, j'ai réussi. Il était bien contre le mur du bâtiment, comme vous me l'avez dit. Ok, c'est cool ça. Ce qui est bien, c'est que si à un moment vous avez besoin de d'une comment? On est pour le craft ou pour les. Ou pour les. Comment les. Les recettes de cuisine d'un truc en particulier. On va pouvoir faire. Utiliser le détecteur. Bon, là, a priori, des champi-piments, j'en ai plein, donc je vais pas me retaper toute la quête. On va lui apporter ça directement. Alors, les truffes max, ok. Oh! Ok, bon, je vais discuter avec lui à nouveau. Hop. Ça m'intéresse en effet. Ouais. D'accord. T'en sais pour qu'il charge les photos dont tu possèdes les photographies. Ouais. J'ai pas tout à fait tout compris. Alors. Non, j'ai pas compris, c'est pas ce qu'il avait déjà dit avant? Ok. Oui. Mais j'ai pas compris, c'était pas déjà le cas d'utiliser la pierre guide pour trouver les trucs qu'on avait déjà trouvés. Bon, je vais sûrement comprendre juste après. Moi, je comprends très vite, mais seulement si on m'explique longtemps. Allez, on ajoute l'application. Bam! Ouais. J'ai pas compris. Ensuite, utilise l'appareil photo pierre guide jusque là. D'accord, alors si j'ai bien compris, en fait, si on prend en photo des trucs, ça les met pas forcément directement dans l'encyclopédie, il faut repasser par la pierre guide. Ça me paraît un peu compliqué. Je vais voir comment ça se passe concrètement. Je vais leur demander, voir si on peut refaire une petite démo. Alors, c'est qui Faras? Bon, on lui rapporte les matériaux déjà pour améliorer ce qu'on avait encore à faire, donc le cinétis. Comment ça, j'ai pas encore les trucs
3 cœurs antiques. Dommage. Je crois savoir où les trouver. Ah, on peut lui acheter directement des photos. Ok, d'accord. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer déjà de d'améliorer le dernier truc qui nous reste à améliorer. Donc il nous manque des cœurs. Alors, vous vous rappelez, on était allé voir... ben justement, pour arriver à ce village-là, il y avait... comment dire? Il y avait un passage, voilà. Qu'on a pris... Et il y avait une cabane pas loin, il y avait plein de restes de machines qui restaient là. On va essayer de retrouver ça. Faut juste que je me rappelle où c'était tout ça. Du coup, c'était bien avant la tour des milites, je crois que c'était par ici. Oui, j'avais mis une feuille. Du coup, ou un bouclier. Il faudrait... Donc du coup que je trouve le moyen de m'y rendre au plus rapide. Hop, on va aller tout en haut de la tour des milites. Et à mon avis, on va bien trouver un cœur quelque part... dans les pièces que j'aurais pas ramassées à ce moment-là. Du coup, ça va vous permettre aussi de retrouver, si jamais vous avez le jeu, de retrouver les ce qui peut vous manquer. Donc il faut que je parte totalement ouest-nord-ouest. Alors, ouais, par là-bas. Ça va vous permettre également de pouvoir retrouver des pièces qui vous manqueraient éventuellement. Hop là, nickel, ça va aller beaucoup plus vite comme ça. J'espère juste que je vais avoir assez d'endurance pour pas me péter la gueule. Hop. C'était pas ici justement, hop. Ouais, c'était la muraille, donc là, il y a un tampon, je ne sais plus pourquoi. Parce que là, si je regarde totalement par là-bas, je vois qu'il y a des trucs, mais... Ouais, là c'est le relais dégéminé que je vois au loin en fait. Et vous voyez là, c'est les ruines justement que je cherche. Attendez, il y a plein de trucs sur le mur là. Je pense qu'on va déjà atterrir ici un premier coup avant d'y aller. Hop là. Et on va choper tout ça au passage. Voilà. Hop. On n'a jamais assez d'objets. Faut juste éviter de mourir, c'est tout. Hop là. Et voilà. Bon, des herbes mouillées, on en a pas besoin. Excusez-moi. Alors. Oh. Hop. Hop. Donc si vous avez besoin de pièces urgemment pour améliorer vos trucs, et bah tout est ici. Les petites ruines quoi. Par contre j'ai dû tout ramasser sur les trois quarts d'entre elles, mais il faudrait que je regarde sur lesquelles j'ai pas vraiment ramassé ce qu'il fallait. Parce que je sais qu'il y a certains coins où j'ai pas pris le temps d'aller voir. Il faudrait que je pense à prendre en photo certains éléments pour agrandir l'encyclopédie d'Hyrule. Alors, lui, est-ce que j'ai pris dessus? Hop. Non. Enfin, oui. Bon, il n'y en a plus à gauche. Il n'y en a plus à gauche. Ah là là, qu'est-ce que c'est chiant la recherche scientifique. Alors,
Ici, a priori, j'ai tout ramassé aussi. Ah merde, il y a des ennemis. Hop. Ah, ici, par contre, il y a un truc que j'ai pas dû ramasser. Alors, plus d'épée. Hop, un épée de chevalier. Et voilà. Merde, une fée. Ah putain, j'ai raté une fée. Lys antique. Bon, c'est cool, mais c'est pas du tout ce qu'il me fallait. Ressort antique, toujours pas. On va en profiter pour prendre en photo. Et c'est beau. Voilà. Est-ce que si je ne sauvegarde pas, ça retient quand même que c'est des chevaux? Ok, nickel. Au moins, c'est bien, il n'y a pas à photographier toutes les races de chevaux. Non, ça suffit. Alors, donc, est-ce que celui-là, on a tout laissé dessus ou pas? Non, alors... J'en ai vu, il y en avait encore qui étaient par là-bas. Hop, on en profite, on prend une petite photo. Souriez les oiseaux. Non, ça n'a rien rajouté dans mon compendium. Voilà. Hop là. Je me demande si d'ailleurs les ruines, on peut les prendre en photo ou pas. Non, bon. Hop, vis antique. Ah, il y a les beaux gobelins là-bas, par contre, je peux les prendre en photo. Voilà. Oula, désolé. J'ai le gyroscope qui merdouille un peu. Par contre, là, c'est bien, il y a pas mal d'armes à prendre en photo s'il me repère pas. Bon, on va les éclater d'abord, puis on verra après. En plus, il y a un coffre. Hop. Et en plus, je peux les one-shot, donc c'est tranquille. Ah, putain, sympa. Alors, un espadon. C'est une arme de pêcheur, ça. Y'a rien d'autre, y'a que des espadons. Ouais. Ouais. Ouais, bon. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a encore plein d'autres ruines de robots, là, des carcasses. Mais je trouve jamais les bonnes pièces, Sam. Alors. Celui-là, a priori, j'ai déjà ramassé. Il y en a encore là-bas. Hop, ressort antique, toujours pas bon. Est-ce que je vais retrouver la dernière pièce qui manque? Parce que elle, ce qu'il faut, si je dis pas de bêtises, bien sûr. Alors, où est-ce qu'on retrouve ça? Alors, elle, ce qu'il lui faut, je sais plus si c'est des arbres antiques ou des cœurs antiques, quelque chose comme ça. Je crois que c'était des arbres, un truc comme ça. Toujours pas. On va y arriver. Et par là, il n'y en aurait pas d'autres. Qui serait un peu caché. Ouais, il y en a encore par ici. Hop. Rouage, bon, c'est toujours ça. Ça change. Faudra pas que j'oublie, j'en ai un autre à gauche. Ressort.
Punaise, mais il y en a vraiment partout en fait. Ah, je peux prendre en photo la grenouille là. Hop. Genre elle allait m'échapper. Ok, toujours pas. Machin que ça va pas être pour aujourd'hui. Ah, arbre antique, ça doit être une des pièces qui me manque justement. Parce que dans ma tête je pense cœur, mais c'est peut-être arbre qu'elle a demandé. Ici y'a rien. On sort. Ah là-bas y a une arme qui traîne. Enfin une arme à coffre. Pièce antique. Hop, il y a des petits osios. On va les prendre en photo. Ah bah j'ai déjà pris tout à l'heure. Par contre il y a le bouquetin ici que j'ai pas pris. Hop. Et voilà. Ah. Alors, c'était peut-être la dernière pièce qui manquait justement. Hop. Le mec qui prend en photo tout ce qui passe, d'ailleurs j'ai pas bien cadré je crois. Voilà, piment. Hop là. Eh mais j'y pense. Eh les gars, en plus on a une fonction qui peut nous aider à ça. Parce que regardez. D'accord, là ce que je cherche du coup c'est les arbres antiques. Donc j'en ai sur moi. Hop. Normalement ouais, voilà, j'ai ce qu'il faut, j'ai au maximum, mais c'est juste pour tester un truc. Donc je pose là. Voilà, je prends en photo. Ah bah non, ça marche pas. Je pensais qu'il suffisait de le prendre en photo pour après réussir à le détecter sur d'autres trucs. Mais voilà, je crois qu'on a déjà fait un peu le tour des ruines là. J'aurais quand même regardé pour récupérer le coffre là-bas et récupérer peut-être encore quelques trucs au cas où. En plus là, je crois que la pile de pierre en plein milieu est destructible. Hop là, on va changer, on va repasser. D'ailleurs, maintenant on a des plus grosses bombes, on va voir un peu ce que ça donne. Ah oui, en effet, ça fait mal. Alors, on va lui faire un petit peu de place au bouclier faune. Hop. Non, c'est exactement ce que je voulais pas faire. Bon bah je vais peut-être pouvoir le vendre. Alors... J'avais vu un coffre, un coffre. Où est-ce que je l'avais vu ce coffre? Je l'avais vu en l'air, vers ce côté-là. Bah zut! Bon, au pire, ça devait pas être très important. Mais il devait vraiment pas être loin normalement. Ah là-bas, regardez, on le voit tout au loin. Voilà. On va aller le chercher. Est-ce qu'on peut en prendre... Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Prendre en photo les humains. Peut-être qu'ils sont dans le compendium aussi. Say cheese. Totalement flippé. Ah. Non, j'y arrive toujours pas. Pourquoi j'arrive pas à la prendre en photo? Ah, c'est parce que c'est son bouclier qui m'intéresse. Bouclier lapin. Ok. Et si je prends Terry? Non, bon, tant pis. Alors, donc du coup... On a un coffre tout là-haut, le seul moyen de l'atteindre,
Ah si, il y a un autre moyen de l'atteindre. Je me dis, on peut escalader, sinon on va faire la technique du mec un peu paresseux. Hop là. Et voilà. Hop, on va se re-téléporter. Oh. Bah, au laboratoire, hop là. Alors, voyons voir si c'est bien ce qu'il fallait qu'on ramasse. Alors, on améliore la tablette. Cinétis. Non, merde, c'est toujours pas les bons. Mais comment on récupère les cœurs antiques? Est-ce que j'en ai au moins un? Histoire de savoir à quoi ça ressemble. Donc on a bien des dizaines de ressorts. Mais on passera sûrement plus tard une fois qu'on les aura trouvés. Alors ce que je vous propose pour finir cette petite vidéo, histoire d'avoir quand même quelque chose de productif, c'est qu'on finisse directement avec... Avec le sanctuaire qui était à l'entrée du village. Alors. Oui, ça c'est bon, j'avais compris. Mais je comprends toujours pas ce que je suis censé faire avec avec la nouvelle amélioration et les photos en fait. Bon. On va y aller. On verra ça un peu plus tard. Mais les cœurs antiques, à mon avis, ça doit être à récupérer sur des robots qui sont encore en activité. C'est peut-être pour ça que j'en ai pas du tout trouvé, mais a priori, les arbres antiques, du coup, sont vachement rares aussi. On en aura sûrement besoin un peu plus tard. Mais c'est quand même bizarre que j'en vois pas un seul dans ma collection d'objets. Hop, alors, on va se téléporter vers l'entrée du village. Si on peut, non, on peut pas vraiment. Bon, bah tant pis, on va y aller à pied alors. Alors, faut juste voir. Hop, j'avais mis une petite base bleue, donc qui est par là-bas. Et on va y aller en planant. Ça plane pour moi. D'ailleurs, j'irais bien faire un petit tour au moulin parce que normalement il y a la nana qui est censée moudre du grain. Hop, voilà. C'est bien pratique quand même. Ah bah non, elle a dû rentrer chez elle. Oui, c'est bon, j'ai compris. Il y a un sanctuaire de JV justement. Y'a tout le monde qui est en mode temps de chiottes quoi. Allez, j'ai la flemme de me taper tout le détour, on va passer par ici. Ah merde, ça glisse. Ah bon, bah va falloir que je me tape tout le détour. Allez, mais... Genre... Non mais t'es sérieux. Allez, grimpe. Voilà. Grimpe, feignasse. On est parti pour le sanctuaire de Miyamagana.